Bonjour Madame Lucinga Juliette. Oui. Julienne ou Juliette? Julienne. Julienne, bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes de la RDC, vous avez intervenu tout à l'heure pour le droit de la femme en RDC, surtout dans l'est de la RDC, où il y a une grande souffrance. Les femmes sont violées au quotidien. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Dites-moi, quelle est la cartographie aujourd'hui en quittant la RDC et pour nous dire qu'est-ce qui se passe en fait réellement là aujourd'hui dans l'est de la RDC? Oui, en fait, les gens pensent que la guerre est terminée, mais la guerre n'est pas terminée parce que nous avons encore plusieurs groupes. Il y a bien sûr des efforts qui ont été menés par la communauté internationale et par le gouvernement pour mettre fin au groupe appelé M23. Et ils se sont peut-être démobilisés, ils sont cachés dans les pays voisins, parce que au Rwanda et en Ouganda, les dirigeants. Dire, oui, on les nomme tous les temps, on les nomme partout où nous passons, nous disons on ne peut pas avoir la paix, parce que les gens pensent qu'aujourd'hui il y a la paix à l'Est, parce que les M23 ont disparu. Les M23 n'ont pas disparu. Les M23 sont juste allés chez leurs parrains, ils sont protégés là-bas. Depuis Moutebousi, depuis le CNDP, Kunda Batware et les autres, on les démobilise, donc ils disparaissent, ils font semblant de disparaître, et puis ils reviennent sous une autre forme. Donc pour nous, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui il y a la paix à l'est de la RDC, il n'y a pas encore la paix, parce que ces gens-là, les dirigeants de ce groupe, sont encore protégés par le Rwanda et l'Ouganda. Donc il faut que le Rwanda et l'Ouganda puissent livrer ces gens-là en justice. Il faut que ces gens répondent de leurs actes. Mais en plus de M23, il y a les autres groupes, les groupes nationaux et les groupes étrangers. Il y a les ADF Nalu, les ex-rebelles ougandais qui sont dans le territoire de Beni et qui continuent à enlever... Qui ont combiné avec le musulman, oui, et avec les Chebab. Les Chebab, et qui continuent à enlever les gens. Dans mon village, à Oïcha, à 30 km de Beni, plus de 800 personnes ont disparu. Plus de 800 personnes ont disparu. Des enfants, des hommes, des femmes sont partis. Donc vous allez au champ et vous ne revenez plus. Si vous êtes parti toute la famille, vous restez là-bas toute la famille. Et aujourd'hui, ce groupe, comme ils ont appris que après les M23, le tour va revenir à les attaquer maintenant, à les traquer. Le gouvernement va les traquer. Et la mission des Nations Unies, ils se déplacent. Donc ils quittent les endroits où ils étaient. Ils vont maintenant, ils quittent l'est de la ville du territoire de Beni pour aller maintenant vers l'ouest, entre le territoire de Mambasa et le territoire de Beni. Et ils vont rentrer dans la forêt équatoriale. Et là, ça sera encore difficile de les tirer de là. Donc c'est juste un mouvement des groupes armés. Donc ils cherchent à se cacher, à distraire la communauté internationale, disant que non, la paix est revenue à l'Est. La paix n'est pas revenue parce que les FDLR, les groupes rwandais, donc les rebelles rwandais qui sont dans notre pays depuis 1994, ils sont toujours là. Ils sont là et ils continuent à commettre des exactions sur la population, des viols massifs sur la population, des massacres, des tueries. Donc, on ne peut pas dire que la paix est là. Si on veut avoir la paix, il faut que ce groupe rentre au Rwanda. Il faut qu'on demande au Rwanda, à Kagame, d'ouvrir la porte pour que ses frères puissent retourner au Rwanda, pour qu'ils puissent faire un dialogue. Le Congo a pu faire le dialogue, même si on n'est pas arrivé à un bon résultat, mais quand même les gens se sont rencontrés, les gens se sont parlé. Donc il faut que le Rwanda aussi puisse organiser ce dialogue, que ces gens rentrent là-bas. À l'Union européenne, au mois de mai, on a été à un atelier. Et dans cette réunion, on nous a dit non, jamais on retournera les FDLR au Rwanda. Et nous, on était très étonnés parce qu'on dit, mais et puis, ils vont rester où? Il faut, si la communauté internationale pense qu'il ne va pas demander à Kagame de récupérer les FDLR chez eux, parce que c'est leur terre, c'est le Rwanda. Si on ne peut pas les retourner là-bas, donc il faut que la communauté internationale prenne en charge ces gens-là pour les amener quelque part, qu'ils quittent le Congo, parce qu'eux, ils sont en train de tuer les peuples congolais qui les ont accueillis. Ils se nourrissent de notre terre, mais ils nous tuent. Au lieu d'aller attaquer le Rwanda, ils attaquent les Congolais. Aussi, les autres groupes, les Maïmaï, toutes sortes, il y en a plusieurs. Les Raya Mutomboki, Simba de Morgan, qui se comportent vraiment, qui commet la barbarie sexuelle sur les femmes. Donc, chaque fois qu'il entre dans un village, il viole les femmes systématiquement. Donc, Morgan doit être arrêté. Morgan doit être arrêté et
remis en justice. Les autres, les Muraya Mutomboki, le reste Kobra Matata, tout ceux-là qui continuent à soumettre la population congolaise dans la souffrance, à maintenir la population dans la souffrance, à maintenir les femmes dans la souffrance, ils doivent être arrêtés et répondre de leurs actes. Donc le gouvernement congolais doit continuer avec la réforme efficace et effective de l'armée, de notre armée, pour voir aux besoins de notre armée, les équiper, les payer leur salaire correctement pour que ces jeunes gens puissent défendre notre pays. Au lieu de s'arrêter maintenant et s'asseoir sur l'oreiller et chanter la victoire sur la M23, il faut continuer parce que ce n'est pas fini, on n'est pas arrivé à la fin. Il y a encore des problèmes. Et oui, tout le reste, c'est le retour de toutes ces familles, ces millions de gens qu'on a déplacés dans leur village. Ils doivent retourner au village. Ils doivent retourner dans leur village et reconstruire la vie, reprendre la vie. Comment ? Il faut que le gouvernement mette les moyens, il faut que la communauté internationale assiste notre gouvernement parce que les responsabilités doivent être partagées. Les responsabilités doivent être partagées parce que les rebelles rwandais, quand ils sont rentrés dans notre pays, c'est tout le problème a commencé avec l'entrée des rebelles rwandais. Il faut que la communauté internationale se rappelle de ça et se comporte en conséquence. Nous réjouissons avec les efforts qui ont été faits par le gouvernement, les différents gouvernements et la communauté internationale, surtout la France. La France s'est vraiment impliquée ces derniers mois pour porter la cause du Congo devant le Conseil de sécurité et nous voyons le résultat parce qu'au moins les M23 ont été anéantis. Mais nous pensons qu'il faut qu'ils avancent, qu'on ne laisse pas les Congolais à mi-chemin. Parce que souvent, ce que nous constatons, c'est que la communauté internationale se mobilise à un moment donné pour soutenir le Congo, pour faire pousser sur la question qui concerne les problèmes du Congo. Mais après, à un moment donné, on voit un relâchement et tout le monde va qu'à autre chose avant d'arriver à la fin. Donc cette fois-là, nous voulons qu'on nous accompagne jusqu'au bout, qu'il y ait vraiment un rétablissement de la paix dans la région de Grand Lac. À quelle occasion vous avez eu ces légions d'honneur que vous avez sur vous? Oui, en fait, au vu de notre travail sur le terrain, la lutte contre l'impunité des crimes, des violences faites aux femmes, la promotion de droits, le gouvernement français nous a décoré ce médaille au mois de juillet 2012. Nous avons été notre travail a été reconnu et nous remercions la France pour cette reconnaissance parce que notre pays, bien que nous travaillons dur, nous sommes tout le temps au front avec pour assister les femmes. Nous sommes au front au niveau de la communauté internationale pour parler de la RDC. Vous avez entendu la rapporteure à l'Union africaine a dit depuis tous les temps, on se rencontre avec elle dans les différentes réunions pour parler. Je parle de la situation de notre pays. Je mobilise les femmes pour dire non à la guerre. Je mobilise les femmes pour défendre leurs droits, pour dénoncer les crimes de violences sexuelles, pour dénoncer toute l'instrumentalisation des groupes armés par les pays voisins de notre pays. Je suis allée devant le Conseil de sécurité. Je parlais de la situation de mon pays parce que je voudrais que la paix revienne dans notre pays. Nous voulons travailler pour notre pays. Nous voulons que le développement de notre pays puisse atteindre aussi le niveau de développement des autres pays, que nous puissions vivre en paix, que nos enfants puissent aller à l'école, que nous-mêmes puissions aussi vivre en harmonie avec nos maris. Donc s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas tout ça. Donc c'est à cause de ce travail-là. J'ai été menacée plusieurs fois de mort par les groupes armés. Heureusement pour moi, heureusement que Dieu me garde encore jusque-là. Et c'est pour ça que le gouvernement français a reconnu cet effort et m'a décoré chevalier de la Légion d'honneur. Très bien. Mes félicitations pour cette décoration par rapport à votre travail abattu. Et néanmoins, je sais savoir, le triomphalisme de Kinshasa par rapport à cette forme de victoire que beaucoup dans la diaspora ne croient nullement cette victoire, c'est comme si c'était un arrangement entre compagnons. Voyez-vous que... Non, mais pourquoi vous ne croyez pas à cette victoire, évidemment? Bon, écoutez... Vous êtes de l'Est de la RDC. Maman, Oza Moutoua Est, Naza Pé, victime de Maman Kambouana Nyoso. Bon,
Dieu merci, parce que je n'ai pas encore été violée, mais je suis déplacée de guerre. Je me suis déplacée 3 fois, attaquée par les milices, Nabimi, Bounia, Nakei, Beni, de Beni, aujourd'hui à Kinshasa, mais je continue à travailler à l'Est. Le triomphalisme que le gouvernement est en train de chanter, bon, peut-être ils sont très contents que les M23 ont disparu ou bien se sont calmés. Hein. Mais nous, on dit qu'ils ne peuvent pas continuer à chanter ce triomphe. Il faut pas. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à mettre fin à tous les groupes armés. Parce qu'il n'y a pas seulement les M23. C'est pas seulement les M23. Il faut qu'ils combattent tous les groupes armés. Que les gens retournent au village, que les gens aillent au champ. Si moi, Julienne, je peux aller dans mon champ à Béni, je vais au champ, je rentre chez moi à la maison sans problème. Là, je vais dire qu'il y a la paix. Le gouvernement a restauré la paix. Si je peux aller à la source et retourner à la maison, si ma fille peut aller à l'école et retourner à la maison sans problème, si je peux dormir sans m'inquiéter qu'on va venir casser. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois à Kinshasa, que tu sois à Lubumbashi, que tu sois à Kalemi, que tu sois à Bounia, que tu sois à Beni, à Goma, à Bukavu, on ne dort pas, on est toujours inquiet. Dès qu'il y a un petit bruit, tu sursautes, tu dis qu'est-ce qui arrive, parce qu'on casse les maisons. Même à Kinshasa, on entre dans les maisons, on tue les gens. Même à Kinshasa, on tue les gens. Même à Kinshasa, passer dans une passerelle comme ça, à côté des immeubles, vous trouvez des coulounes là-bas, ils vous découpent à la machette. Donc la paix n'est pas encore rétablie dans notre pays. Nous les encourageons à faire davantage pour qu'il y ait vraiment la paix. Et là, nous allons tous célébrer la paix. Donc au lieu de chanter dans les médias, je venais de vous dire, le groupe ADF Nalu, parce qu'on crie partout à la télé qu'on va les traquer, on va les traquer, sans prendre des mesures de protection pour les contrer dans la région où ils étaient, maintenant là, ils se déplacent. Donc ils vont aller un groupe par là, un groupe par ici, un groupe par là. Comment le gouvernement va arriver à les anéantir? En 2005, il y avait une opération One Cock à Beni. C'était pour traquer les alliés Fenalo. Et le gouvernement a chanté encore la victoire. Tout est arrivé. Donc ADF Nalu terminé. On n'en parlera plus. Mais les ADF Nalu se sont juste rentrés. Ils sont entrés dans une grotte et ils se sont cachés là-bas. Quelques mois après, on les a vus réapparaître. Aujourd'hui, les gens de Beni sont en train de souffrir. On ne peut pas aller au champ, on ne peut pas aller à la source. Les gens, ils viennent même dans les villages. Un jour, j'étais à l'hôpital au mois de mai 2012. J'étais à l'hôpital à Ouicha avec ma petite soeur. Les ADF Nalu sont rentrés dans le village à 10 heures dans la matinée. Et ils ont tiré des balles partout. Donc, c'est pour vous dire que moi, je veux bien que le gouvernement puisse dire qu'ils ont gagné la bataille contre les M23, parce que en fait, les M23 n'ont pas combattu. Ils se sont juste retirés. Alors, comme ils n'ont pas combattu, ils sont juste retirés. Comme je disais, ce n'est pas un arrangement entre copains. Non, je ne pense... Bon, je ne peux pas... Entre copains, c'est-à-dire que... Je ne peux pas confirmer que ce sont des copains, mais je sais qu'il y a eu un groupe qui était de l'autre côté, un autre groupe de l'autre côté. Nous, le gouvernement nous a dit. Au début, bon, on n'arrive pas à comprendre. Parce que le langage change à chaque instant. Au début, le gouvernement a dit que Bosco, c'était un Congolais. Et pour la raison de la paix, on ne va pas transmettre Bosco à la CPI. Bon, mais après, on a vu, Bosco était devenu Rwandais. Et il est aujourd'hui à la Cour pénale internationale comme un citoyen rwandais. Alors, moi, je me demande toujours, est-ce que nos dirigeants se souviennent de leurs paroles? Je me pose toujours la question. Et moi, je demande à vous, les journalistes, un jour, d'amener toutes les séquences que vous avez enregistrées des différentes interviews. Et amener, par exemple, son Excellence, M. Mende. Oui. Là, il n'est pas Excellence. Il écoute. Il n'est pas du tout Excellence parce qu'il dit quelque chose et son contraire. Comme il est ministre. Il dit. Mais je souhaitais savoir, quand même, par rapport à son langage truffé, quand même, de vous puissiez le mettre un jour devant toutes ces interviews qu'il a eues à prononcer. On l'a. Et qui nous disent comment il se sent devant tout ça. Parce que Bosco a été dit citoyen congolais. Aujourd'hui, la CPI dit Bosco, c'est un Rwandais. Comment le gouvernement se sent par rapport à ça? Donc, quelque part, petit à petit, il risque de perdre
la confiance de la population. Non, ils n'ont plus de... ils n'ont plus le... Ils vont perdre la confiance de la population. Ils n'ont plus la confiance de la population et encore moins de la diaspora. Bon, vous aussi, je vous demande de retourner au pays pour que vous puissiez nous aider. Vous avez dit qu'il y a des couloirs partout. Vous avez dit, pardonnez-moi, vous avez dit qu'il y a des couloirs dans des couloirs partout, mais il y a aussi dans les couloirs de gouvernement des couloirs. Venez avec nous pour qu'on puisse travailler pour... Dans les couloirs du gouvernement, il y a des couloirs. Ça change. Mais dans les couloirs du gouvernement, il y a des couloirs. Venez avec nous pour qu'on puisse arriver à changer cette situation. Qu'il n'y ait plus de Kuluna au gouvernement, qu'il n'y ait plus de Kuluna dans les rues, qu'il n'y ait plus de groupes armés qui pillent les pays. Madame, vous savez, quand vous portez, vous avez cette épingle au niveau de votre chemisette, c'est une protection. La Légion d'honneur. Donc vous êtes protégé par la France. Oui, vous êtes protégé. Je peux vous dire, j'ai été chassé par la ministre de la Justice il y a 3-4 jours. Dans son cabinet. Expliquez-moi pourquoi donc. Je t'explique ça. Oui. Écoutez, quand on travaille pour la paix et la justice, quand on dénonce les choses qui ne marchent pas, on n'est pas la bienvenue. Nous, on a collecté des dossiers où le gouvernement congolais a été condamné civilement responsable des crimes de violence sexuelle commis par les éléments FARDC. Et nous voudrions que le gouvernement puisse au moins faire un geste pour donner réparation à ces femmes dont les dossiers étaient là déjà. Les jugements étaient déjà prononcés. Alors, nous avons écrit plusieurs fois à Madame la ministre pour demander qu'on puisse avoir l'audience. Nous n'avons pas, on n'a pas eu la réponse. Et un jour, malheureusement, on s'est retrouvé avec Madame, son Excellence, devant Pourquoi la. Quand vous dites son Excellence. Oui, ben c'est Madame. Il représente. Ici, on dit jamais Excellence. Bon, ici, mais nous là, on parle d'Excellence. Ici, on dit jamais Excellence. Pourtant, il travaille bien dans l'Excellence. Nous là, nous travaillons dans les. Nous parlons d'Excellence. Alors, je lui ai dit que c'est, l'ambassadeur de France m'a présenté et je lui ai dit, j'ai dit à Madame que voilà, elle a dit que comment moi je ne la connaissais pas. J'ai dit oui, on a demandé de l'audience plusieurs fois, on n'a pas encore été reçu. Alors elle dit, mais comment les chiens qui ont mon numéro? Moi j'ai dit, je ne savais pas, mais moi je n'ai pas votre contact, c'est pourquoi on n'arrive pas à se rencontrer. Alors on a échangé longtemps là-bas, elle s'est énervée, elle a parlé. Après, moi je pensais que les choses étaient passées et on est allé maintenant la rencontrer dans son cabinet avec la délégation de la Fédération internationale des droits de l'homme. Alors quand elle m'a vu entrer, elle dit, qui je vois là? Comment tu es ici? Moi, je dis, oh, je suis dans la délégation avec la fédération. Elle dit, mais tu as dit que moi, je ne te reçois pas. Comment tu es arrivé aujourd'hui? Allez, donne-moi la preuve de tes lettres de demande d'audience. Je lui ai montré la lettre, une copie. Je suis venue avec une copie de lettres. Je lui ai montré. Alors, elle a regardé, mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a même pas de cachet. Ça, c'est quoi? Elle s'est énervée davantage. Et elle a commencé à crier sur moi. Et puis après, elle m'a dit de sortir. Elle m'a chassée. Elle m'a dit, sortez de ma bureau. Et bon, je suis sortie et je suis partie. Voilà. Donc, chez nous, ce n'est pas la protection, avoir la médaille. Même si on est reconnu, les autres pays reconnaissent notre travail. Espérez-vous de ce gouvernement qui est décrié par la diaspora? C'est un gouvernement qui gère le pays par défi. Je dis des choses, c'est ce que je pense. Hein. Un gouvernement qui a permis aux rebelles de rentrer dans le gouvernement, CMDP, qui a permis aussi un Kadogo d'être à la tête du pays. Non, écoutez, moi je pense que c'est vous de l'extérieur ici, je voudrais vous demander de bien suivre et de bien regarder les choses telles que ça se passe dans notre contexte. Je sais que la communauté internationale a un rôle à jouer. Chaque fois qu'il y a des gouvernements qui arrivent à la tête du pays, vous savez comment ça se passe. Les choses se dessinent quelque part et ça arrive. Donc, ils sont là. Il y a les élections qui se sont passées. Les gens ont contesté. Ben, bon, la commission électorale a proclamé que c'est le président qui a gagné les élections. A proclamé. Et oui, moi je pense qu'il faut continuer maintenant. Il faut continuer à éduquer notre population. Le travail que nous devons faire, c'est éduquer notre population à comprendre et à savoir les règles démocratiques, comment ça se joue. Et quand la population va arriver à comprendre et à poser des questions de redevabilité, c'est là qu'on va arriver à changer tous ces scénarios qui arrivent dans notre pays. Parce que tant que les gens continuent à danser et à chanter, ils ne vont jamais poser des questions. Vous manquez de l'eau, vous manquez l'école, vous manquez tout, mais vous n'arrivez pas à poser la question à vos dirigeants. Quand ils arrivent, vous dansez, vous chantez. Donc,
Il faut que nous puissions travailler. C'est pourquoi moi je demande à vous, les Congolais qui sont ici dans les diasporas, retournez dans notre pays. Travaillons ensemble pour éduquer notre population, pour informer la population. Comment ça se passe ici pour que les gens changent la mentalité, la façon de voir le pouvoir. Chez nous, le pouvoir, c'est arriver au pouvoir, c'est être Tobongi et Tobongi, donc ça change la situation. Oui, Tobongi, donc la Lingala pour terminer, pour le Congolais, les gens qui vous suivent dans la diaspora, regardez la caméra, un mot adressé à eux. Prenez le micro. Oui, et là qu'on a croyé Bissabino. Et là qu'on a croyé Bissabino Bandeko, Bandeko Nangaï, Bakongolais, Biscagno Sobozali. Nakanisi, pour nous faire la révolution, il faut to koka. Côté à nano, koye bisabande konabiso, kosali sabango, nenge boza et pa iboye, bo koka, kosala musala, kofinga, kobunda, kobeta batu, ezan angona, ekopesa succès penzate, po tango yo sala makamba boye, awa bakomona ke oza violent, oza barba, oza nini, ezate na fingi bino, gana lobi nangai, to sala na pacification, na katia bol, non violent. Tous à la bas non violent, mais tout défendre cause nabiso. Tout expliquer situation en bokan nabiso. Bah comprendre nabiso parce que tant que tu m'as dit qu'au finga, bah on va zo comprendre nabiso. Tu vas zo nabiso le col à battre. Tous à maïlité. Gana kanisi photo yé bisa bango. La communauté internationale est responsable de la cambo et l'équipe à nabiso, mais aussi biso moko pe tous à n'a pas les responsabilités. Na yangonga na sengi tout. Mekana no kote ya ba population na biso batika makambo ya kobina konzemba moyi mobimba bakozela mutu po aza ministre po aza tsoki gouverneur soki aza nani ba eloge wana ya koleka ndelo batika yango simango to lakisa bango ndenge nini bakobanda ko poser ba question ya redevabilité batuna kabango oza wana le kimbula boye nini yango salili biso Petango asali, soki ya bongisi ntela. Eza te koloba mbongo ya poche na ende ya sali nango. Eza mbongo ya biso wa Kongole. Eza biso nde toko yebisa bande kona biso ya mboka bawe wa tangite ba yebi makambo wana tola kisabango to yebisa bango. Yango wana toko koka, ko defendre koze na biso, bisika nyoso toko leka, toko zwa, maloba pe toko loba. Oyo nini toko sale mana nakati ya mboka na biso pe nini tolingi ko sala. Mboka, eza soni kumona mboka munene boye, mboka ezana etondi misolo, batu bazanga nenge ya kulia, bazanga kisi, bazanga ma, biloko nyoso, bana batanga te, ifo biso baboti to futaka po bana batanga, makambo wana nyoso tolingike, biso nyoso to pesa na maboko, to sala ngoka, me dala no violence. Wanduku wapendi, tunawashukuru nyinyi wote wa Kongomani. Ningetaka kuwaambia kama inchi ni yetu. Na kwa kuweza kubadilisha mambo, sio tu vita, sio kupiga watu ama kutukana watu, lakini tuende tukatetee inchi yetu. Tuonese nini inafanyika katika inchi yetu. Wapi tunaweza kutetea, tufike, tuende tukatetee. Na tuende tufundishe watu wetu wenye hawakusoma, wale wakaaji wote wanakuwa katika vijiji. Tuwafundishe nen haki yao nini, haki ya binadamu ni nini, le droit de l'homme, tuwafundishe ni nini, na tuwafundishe namna gani wanapasha kufanya uchaguzi, tuwafundishe nani tunaweza kuchagua, wakati gani tunaweza kuchagua na kwa nini tunachagua. Wakati watafahamu ile yote, wataweza kutuchagulia wale watakaoongoza kiti na katika uhaki, katika demokrasia ya kweli. Hivi tufanye nguvu, tuweze kweli kuendelea. Asante sana na tunawashukuru, muendelee kutetea inchi na sisi tunaendelea kutetea inchi kila mmoja pahali alipo, lakini pasipo violence. Merci, merci infiniment. Nous sommes au Quai d'Orsay, voilà, on vient de terminer avec Madame Julienne Julien Lusengue. Et mesdames et messieurs, voilà, nous venons de terminer le séminaire extraordinaire sur les violences faites à la femme. Particulièrement, on a assisté à l'intervention de Madame Julienne qui a expliqué clairement ce qui se passe en RDC, la souffrance de la population de la RDC, comment la population féminine vit un drame dans son être le plus important. Donc le Quai d'Orsay a été sensibilisé par cette intervention. Madame Ben Guigui a fait une déclaration de bonnes intentions qui montre que sans les acteurs de ces conflits
qui se mettent autour d'une table pour trouver une solution négociée à cela. Ces viols vont continuer. On a parlé du M23 qui a été décapité. Mais en réalité, il y a encore une quinzaine de groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. Donc les zones de non-droit existent encore. Des zones de guerre terriblement organisées par d'autres rebelles existent encore. C'est encore en activité. Donc on ne peut pas crier victoire aujourd'hui pour nous dire que la guerre est terminée dans l'est de la RDC. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui concernant cette forum d'aujourd'hui qui traite le cas de la femme. Voilà, merci messieurs. Alors, votre première impression par rapport à ce que vous venez d'assister dans cette salle par rapport aux violences faites à la femme? Il y a d'abord une ambiance générale qui est de se mettre debout et une ambiance médiatique qui attire notre attention et les situations que nous vivons, que ce soit dans nos quartiers, ici en France, dans nos quartiers, même en province, et surtout ce qui nous arrive de notre pays, et surtout de l'Afrique. Les situations ont beaucoup changé, les mentalités ont changé, mais les nouvelles donnes, qui sont les guerres qui s'interposent, et les coutumes que nous, les nouveaux, on a cherché à critiquer par rapport aux anciens, il faut encore mettre ce débat pour savoir qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'ancien et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouveaux, et surtout qu'est-ce qu'il y a de complexe et de compliqué qui nous remet maintenant au pied du mur. Je voulais dire, là on s'est vu entouré que de blanches, excusez-moi de le dire, mais les gens qui subissent eux-mêmes ces actes, ils ne sont pas là. Cette démobilisation était à attendre parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au départ pour mettre ce point culturel à un niveau, à un haut niveau. La sensibilisation a été africaine et culturelle. C'est la première loi de la constitution africaine. Si on ouvre le grand livre des Bantous, vous trouvez qu'on y va de bouche à oreille. Quand de bouche à oreille, ça n'a pas fonctionné, c'est que réellement, conscience n'a pas changé. Et c'est là qu'il faut insister, si cette conscience n'a pas changé, c'est qu'elle a été soit aliénée, soit intoxiquée. Et il faut maintenant une nouvelle médication pour aller avec, comme on dit, au grand mot, des grands remèdes. Vous êtes de quelle association? Je suis de l'association Amani Dunia pour la lutte contre tous ces fléaux qui sont les fléaux des guerres et des conséquences de la dégradation de la situation de nos pays qui sont si grands. Merci à vous. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Dans ce parce que vous allez congolais, j'ai mon regard à petit à la salle. Et cette pétition, on va congolais, il y a terre. Bon, je crois que c'est plus singa été tant musu bazar qui n'attend pas y être. Mais là, le quoi, on a saqué une occasion à quoi y a, y a encore na permettre qu'il na komawa. Natara makambo ndenge za koleka makambo leke kitoko pona makambo ndenge bakoloba sila la femme violée na Bukavu na Goma na zamwa na mboka na vana na mboka wana pasi ya ba mama kuna na mboka ikumi pe pasi na biso wa ndenge bango baza touche c'est comme bazo touche pe moitié ya nzoto na biso donc bo ba yete wana prochainement limbi saba koyakaka. Mais nga na panzaki sango na ba Facebook na ba réseaux surtout na réactivité na bango eba difficile or ba décision minene ezomaka awa ba décision minene ezozoma awa mais ndenge ben gigiye mo albaki de grandes décisions se prennent là où il y a des grandes institutions. Donc ndenga na auto koyebisa yo na koyikuloba pona baninga te po mboko eza mboka ba probleme ebele tant mususu bazwaki ba empêchement mais prochainement, bakoya.
Merci à vous. Merci. Fédé Molongo, voilà. Que retenez-vous de ce qu'on vient de vivre ici? Que retiens-tu d'ailleurs au niveau de vous? Oui, non, mais d'abord, c'est très important qu'il y ait quand même eu cette rencontre sur les viols faits aux femmes, notamment en République démocratique du Congo. C'est un peu dommage que les femmes congolaises n'aient pas été présentes dans cette réunion, parce que c'est ici que se prennent les grandes décisions. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut parler encore à notre communauté pour qu'ils arrivent à assimiler que les décisions se prennent dans les institutions et non pas seulement sur Facebook ou sur Twitter. Donc les réseaux sociaux, oui, mais il faut être présent là où se prennent les décisions. C'est un peu dommage, mais je pense que nous avons été gracieusement honorés par la présence de Madame Ben Guingui et puis Madame Julienne Lusenge. Cette femme est formidable. Elle travaille en République démocratique du Congo, elle est menacée. À un certain moment, elle a été obligée de se séparer de sa famille, ses enfants, etc., etc., pour être protégée. Mais elle continue à défendre toutes ces femmes qui sont victimes des violences. Et non, c'est formidable. Le fait qu'elle ait la Légion d'honneur, ça montre quand même qu'elle a bossé. Donc c'est pas quelque chose qu'elle a ramassé, mais elle a mérité, et ça c'est une bonne chose. Merci Freddy, on va aller grignoter quelque chose. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est offert là-bas. Nous sommes bien invités vraiment pour prendre un repas copieux. J'espère que ça va nous restaurer un peu pour... À tout à l'heure Freddy, merci à vous. Merci à vous tous, merci.